L'histoire du centre hospitalier du Rouvray est une histoire longue de 200 ans, dont 170 passés sur ce site. Alors certes, il y a eu quelques destructions, mais on peut dire que globalement, les grands marqueurs de l'architecture psychiatrique des 19e et 20e siècles ont été préservés ici, avec notamment quelques très belles réalisations architecturales. C'est pourquoi il nous est apparu indispensable de lancer aujourd'hui une étude patrimoniale approfondie. Pour réaliser cette étude, le centre hospitalier du Rouvray a sollicité l'aide scientifique et technique du service de l'inventaire de la région Normandie, qui a pour mission l'étude et la valorisation du patrimoine normand. L'opération est programmée sur 3 ans et elle comportera des recherches historiques pour retracer l'histoire du site depuis sa création, des enquêtes de terrain pour identifier et analyser les espaces bâtis ou non, des campagnes de prise de vue, des recueils de témoignages. Toutes les informations ainsi collectées seront intégrées à une base de données sur le patrimoine. Enfin, durant toute l'opération et à son issue, seront proposées des actions de valorisation pour restituer les résultats de l'étude auprès des agents de l'hôpital et du grand public.